Coucou tout le monde, on est reparti sur du break Waters et j'ai plein de bons petits projets pour cet épisode. Je vais déjà tenter de combattre le boss là, alors j'ai bien amélioré mon matos. J'ai enfin, vous voyez, la petite armure d'os, je n'ai pas encore celle d'acier, on va voir si je peux l'obtenir. J'ai également fait quelques tests pour faire un barrage, mais vous vous rappelez, on ne peut pas atteindre les autres îles directement, ou alors ça va vraiment être difficile. Du coup j'ai fait un petit couloir et je me dis que je vais tenter de faire une base sous l'eau. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui va être top. Alors j'ai encore un petit peu de mur à construire. Purée, je vous dis pas le boulot que ça a demandé, et surtout les cristaux jaunes. J'ai dû ramasser un paquet de cristaux dans l'île, dans l'autre île, car pour le moment je n'ai que deux îles de disponibles. Oups, mince, non. Bon, on va revenir pour lui après. Hop, est-ce que je suis bon là? Ouais, je crois que je suis, ouais, ok, je suis bon. On va revenir pour ça. Hop, est-ce que je peux le poser là? C'est pas évident à cause des vagues. On n'arrête pas de bouger. Et le jeu parfois nous permet de poser quelque chose, parfois il ne le permet pas. Je pense que ça... Oh, allez, voilà. Voilà. Ouh, ça va être bon. Ça va être bon, je vais pouvoir le finir. Je pense. Oh, il y a un trou là. Oh là, il y a un trou. C'est pas bon ici, vous voyez. Donc il y a un autre souci qu'il faudra régler. Ouais, parce que si c'est mal posé, il va y avoir des fuites dans notre mur. Alors, hop. Fini quand même là. Ouh, je pense que je vais pas avoir. Ouais, je ne vais pas avoir assez. Alors, il faut enquêter. Ouais, j'ai un saumon qui est. J'ai un saumon. Tiens, on va te ramasser le saumon. Tu es. D'accord. Ah, est-ce que je peux ramasser celui-ci? Il y en a un autre là. Est-ce qu'il est. Ah, il fuit là. Je peux te coincer. Ouais, il va falloir le capturer plutôt que juste. D'accord. Et là, vous pouvez voir où il y a de l'eau qui passe. Pourquoi? Est-ce que c'est une connexion ou c'est l'eau qui passe après? C'est peut-être la connexion, d'accord. Bon, alors, bah, je vais essayer d'arranger cet endroit. Alors, c'est un excellent piège à poisson, ça, en fait. Les deux derniers. Oh, je me fais emporter à l'intérieur. Voilà, alors, ce qu'il faudra voir, c'est vraiment cet endroit, parce que je sais pas si c'est juste du visuel ou si... voilà. Alors là, le problème, c'est que... L'eau est coincée dedans, et en plus, vous pouvez voir, y a de l'eau qui passe un petit peu par-dessus, qui remplit, donc ça, c'est quand il y a la marée haute. Est-ce que je mets un étage de plus, comme là, ou est-ce que je mets un plafond? Je suis pas encore sûr. Faut que je réfléchisse. Allez, on met le bois. Oh, alors, je vais tenter un petit quelque chose, parce que j'ai une porte... Je pourrais peut-être la mettre au bout pour laisser l'eau s'écouler. Le problème, c'est que si je la mets en bas, je sais pas si ça va aider. Enfin, on va essayer. Déjà, si je vois là. D'accord, allez, on y va. Voilà. Bon, alors, je veux mettre ça au bout. Je pense que ça va faire. Ouh. Est-ce que ça va suffire? Ça va pas suffire un deuxième? Troisième. Ouh. Alors, comment je vais m'y prendre? Porte. Non, ok, on va la mettre là. Donc il me faut le marteau de destruction. Oh. Ok, je m'y attendais pas. Ça. Je m'y attendais parce que j'ai plus de mur. Oh, ça a pété tout de suite. Oh. D'accord, ouais, bon bah on va revenir avec. On va revenir avec. Non, ok, bon, on va devoir nager. On va revenir avec plus de. La question c'est comment est-ce que. Si je le laisse tout le temps ouvert, comment je vais le faire? Parce qu'en fait je peux pas plonger. Un autre saumon là. Ouais, bon, ok. Normalement j'ai plein de terre rouge quelque part. On va déjà finaliser l'endroit là-bas. Bon, on n'est plus énormément, mais ça devrait suffire. Ou alors je vais en chercher un peu plus. Ah ben, c'est vrai, j'en ai plein dans les sacs qu'il y a autour. Vu que j'ai détruit des choses. Hop. Ouais, là, ça devrait être bon. Alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, je crois que j'en ai perdu un, sept. Ouh, level up.
Voilà, bon, on y retourne. Alors la marée n'est pas très haute, c'est donc le moment parfait de voir si il va y avoir des fuites. Alors. Pourquoi tu peux pas te mettre là? Oh oh. Je peux pas mettre sur la. Je peux pas ouvrir. Je peux pas mettre une porte là et construire par-dessus? Depuis quand on n'a pas de mur sur les portes? Ok, peut-être qu'il me faut plus. Tirer derrière moi. D'accord. Voilà. Non. On va devoir retirer. Allez, allez, le dernier. C'est pas toujours évident. Voilà. Je pourrais même en mettre plus en haut. Alors la question. Ouais, je crois que ça vient de l'arrière. Et là, il y a un trou. Hein. Là, ça remplit de là. Donc là, ce n'est pas parfait. Ok, ça le fait là-bas également. Alors, faudrait... Ah, c'est peut-être l'effet des bouteilles, en fait. C'est peut-être l'effet des bouteilles qui poussaient contre le mur. Donc j'attends que la dernière... Voilà, la dernière bouteille n'a plus d'effet. Que ça monte plus haut que le niveau de l'eau. Je suis pas sûr. Ouais, c'est au même niveau en fait. Hein. Oh là là. Je crois qu'il y a des trous. Mais là au moins, là c'est complètement bouché, donc on sait. Est-ce que c'est parce que... C'est parce qu'il n'y a pas d'eau autour. Si le jeu me permet pas de faire ça, ça va pas être top. Hein. Bon, alors, avant, on a un ennemi à combattre. Je voudrais voir ce que je peux faire avec. Il faudrait faire, en fait, le nouveau type de torche qui bloque complètement l'eau à l'intérieur. Mais ça ferait pas une base sous-marine, du coup. Et c'est vraiment ce que je veux faire. Ok, alors. J'ai fait des armes. J'ai fait un arc. Toi, tu vas aller là. On a 21 flèches. Alors, l'arc. Je vais te mettre là pour y avoir accès rapidement. Et on va voir ce que l'on peut faire. Alors, j'ai jamais utilisé l'arc. Un dégât. Il est level 40. Eh mais je peux rien lui faire à lui, hein. Donc on va l'ignorer. Il est coincé dans là-bas. La question... Ah, il y a un bonhomme là. Ouais, je crois pas qu'il défend, c'est juste qu'il a pop. Oh, oh. Alors par contre, vous... Trois de dégâts. Pas géant non plus. Et si je vais en mêler... Allez, on l'élimine, vite. Ouais. Faut pas que j'arrête d'attaquer avec lui parce qu'en fait je peux pas esquiver son attaque, j'ai pas de roulade là. En tout cas j'en ai pas trouvé. Voilà, bye bye, ça nous fera d'XP. Ah, de la viande cuisinée. Ouh, j'en ai besoin là. Ok. Et lui. Voilà la porte des titans. C'est une vieille machine qui a été utilisée pour Coral les titans. Je sais pas ce que ça veut dire Coral en anglais, les maintiens à distance, je sais pas. Ok. Et donc je dois faire quoi? Ah oui, on avait déjà fait ça ici la dernière fois. Je me rappelle plus ce que j'avais fait. Je crois que j'ai mis un cristal dedans. La porte des titans va s'activer quand on met un cristal large. Qui pointe à un autre endroit. Ah, cristal large. Et je vais revenir avec des cristaux. Alors. Donc. J'ai besoin non seulement du gros cristal, mais également. Hop. Mettre de l'eau là-dedans. Premier.
Deuxième. On va le mettre. J'ai peut-être pas le bon type de cristal, je me rappelle plus. Alors, je reviens également avec un cristal vert et la relique de Titan. C'était la relique de Titan. Ok. Donc ça pointe là-bas. Je me rappelle que ça va activer quelque chose dans la partie d'avant, à moins que ça... Est-ce que je peux voir une carte? On peut pas voir la carte. Je suis où? Je suis là, à sa pointe. Je pense là-bas. On va se mettre pile. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est peut-être le trésor? Peut-être la carte au trésor, vous vous rappelez? Ça pointe quelque part ici, en fait. D'accord. Alors, ça me semblait différent. Je me rappelle, dans la bêta, je contrôlais les rayons. Et ça a soulevé des pylônes gigantesques. Et ça n'avait pas ce visuel également. Est-ce que ça a changé ou est-ce que je dois continuer l'aventure là-bas? Je ne sais pas. Si on regarde LED. On va activer quand un grand cristal est posé dessus et pointe dans une autre direction. Ok, bah le cristal est posé et ça pointe tout seul vers là-bas. Ok, ça dit la même chose. D'accord. Bon. Je retourne à la base qui est là-bas et je vais voir si je peux finir le toit. Protégé de l'eau là-bas. Et je voudrais voir si c'est toujours au même niveau. C'est l'arbre là qui a bougé. Je t'ai vu, mon petit. C'est plus haut que l'eau, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Donc ça, c'est parfait. Donc déjà, toi, on va te ramasser. Bon, déblayer là. On va fermer la porte. Donc ça, l'eau ne va plus pouvoir rentrer. Et maintenant, il me faudrait soit mettre un toit, soit mettre plus haut. Et voilà, regardez. Ouh, c'est beau quand même, là. Oh, regardez, ça qui pointe là-bas. Et ça s'est posé. Alors j'ai pas l'impression que c'est vraiment étanche. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Oula. Ouais. Il va falloir que j'aille cuisiner un peu plus. Et alors je n'ai pas réussi à cuisiner les poissons pour le moment. Ouais, je pense. Alors je n'ai pas encore complètement fini. Il me reste le bout là. Bah tiens, on va le faire maintenant. Je vais le faire avec vous. Oh, regardez tous les poissons qu'il y a. Voilà. Et maintenant, faut se débarrasser de l'eau qui tend. Ah, ça va être un peu plus compliqué, ça. Alors, est-ce que je peux le faire? Déjà avec ça, voilà. Partie de l'eau va partir. On va au bout. Oh purée, c'est long. C'est long. Est-ce que je peux me débarrasser de l'eau, là? En jetant ça. Ouh, ça passe par-dessus, ce qui m'inquiète un peu. Alors, j'ai pas énormément de ça. Je dois être... Il me reste combien? Il me reste deux, je dois en faire d'autres. Ah, ça va être compliqué de virer toute l'eau. Hein. Waouh. Ok, et l'eau... Alors, l'eau sort pas par les murs, mais elle sort par le dessus. Dommage, il n'y a pas un système de... L'évaporation. Bon, alors c'est fait comme ça, regardez ce qu'il y a autour, là-bas. Oh là là, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais bon, ça fait office de mini barrage qui ne sert à rien. Regardez, je me suis mis un petit centre de d'observation là. Ça sert de petit barrage. Alors, on pourrait continuer le barrage, mais j'aimerais vraiment, vraiment me débarrasser de l'eau à l'intérieur et de faire une base. Ça serait le top. Alors là, l'eau remonte.
l'eau remonte. Est-ce que faudrait que je tire ça plus loin pour que la porte soit à un endroit qui ne soit pas... Ouh. Effectivement, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner, regardez, il n'y a pratiquement plus d'eau là-bas. Alors on va refermer la porte. Et faudra voir quand la marée est haute ce que ça va donner. En attendant, je sais toujours pas. Alors je vais me faire voir si je peux aller à un autre endroit. Alors. Ça, il me faut deux corails rouges. Il faudra un escalier. Je crois que je peux me faire. On a encore un peu de clous. Ouh, il y a des clous là. Parfait. Est-ce que je peux me faire un escalier pour monter ? Voilà. Alors là. Ouais. Un, et il m'en faudra un deuxième, plus de clous. Est-ce que je peux trouver plus de clous ici ? Des restes de mon ancien. Il y a un rat là-bas. Alors j'ai testé, les rats on peut les utiliser comme combustible. Je peux mettre un rat pour cuisiner. Pour alimenter le feu. Un peu bizarre mais enfin. Alors je vois pas d'autres clous. Bon bah on va faire avec. Alors. Bon je pourrais sinon me servir de ça. C'est bon. Alors. Regardez-moi ça, c'est génial. C'est génial. Mais vraiment, il me faudrait les torches qui repoussent définitivement l'eau. Ça serait top, ça. Sinon, je me dis, je pourrais également... Si j'ai assez de potions jaunes... Ouais, je préfère un barrage là, pour empêcher l'eau de passer là. Et balancer plein de potions ici, où l'eau reste, s'accumule. Et là, ça devrait pousser. Bon, alors. Ouh, bonne profondeur. Est-ce que j'ai sur moi des crédits? J'ai pas de crédit, j'ai oublié de les ramasser. On y retourne. Oh là là, j'ai bien d'aller-retour. Et là, quand même... pas mal. Vraiment pas mal. Alors, cette fois-ci, l'eau... Oh, l'eau est passée par-dessus. Voilà, ok. Donc, c'est ce que je voulais voir. Est-ce que ça a remis de l'eau à l'intérieur? Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si je peux regarder sans que l'eau passe par la porte. Alors, il y a un cristal, il y a un cristal qui repousse, ok. Ah, oh, il y a eu de l'eau à nouveau. Donc, ouais, ça, ce n'est pas étanche. Bon, alors, si, ça se voit, hein, oui. Mais bon, c'est à tester, du coup, bah, je vais faire... Bah, je pourrais faire une maison à l'étage. Je pourrais mettre des murs le long et on aurait une étage sous l'eau, un étage sous l'eau et un étage au-dessus de l'eau. Très parfait. Alors là, ça va être bon. Moi, je peux pas aller sous l'eau pour le voir arriver. Et le voici. Alors toujours, il se met dans la mauvaise direction. Et tu vends toujours la même chose ou... Ouh. Ouh. Et là, de quoi faire un nouveau bateau. Ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Mais en attendant, est-ce qu'on a débloqué un nouvel endroit à visiter? Non. On a juste ici. Alors, je pourrais y retourner pour voir... Si l'autre bonhomme là-bas me valide une quête, mais oui, il y a des choses autour. Et je peux pas y aller. Ouais, on peut. Oh, ça coûtait cher. On va dire non, on va dire non. On ira plus tard s'il le faut. Et où je peux pas remonter là. Je peux pas remonter. Mais bon, je pense que l'on a déjà bien progressé. Oh, cette construction a demandé tellement de temps. Et, malheureusement. Ouais. Mais je crois que les murs sont étanches. Hein. Malgré le petit coin qui a l'air bizarre là-bas, je pense que c'est vraiment le plafond. Donc regardez, là l'eau s'écoule. On va fermer. Et on va rebosser sur ça. Bon. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Dites-moi si vous avez des idées. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye!